Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour l'épisode 1. Donc après 15-20 minutes de Gears of War Judgment, donc c'est l'épisode 1. On va se faire le let's play, donc un petit peu comme The Last of Us, des épisodes d'environ 45 minutes. Pour dire de bien avancer, vous vous souvenez, on est arrivé ici, on devait rentrer là. C'est en feu. Allez, c'est parti. Le petit succès au passage. Et on continue. Tous ceux qui étaient sur le balcon ont été éliminés, chef. Tous vraiment? L'Omish nous envoie. On va où? Vous n'êtes pas des Onyx? J'en suis une. Non, je crois pas. Cadette. Restez ici et défendez la zone. L'Eleste se fait pilonner. Voilà. Donc on est ici. D'accord, donc vous faites un carnage. Ça tombe bien. Ok, Kilo, vous avez entendu? Les larves arrivent. Est-ce que je peux poser quelque part ce clou? Repoussez-les, Onyx! Repoussez-les! Ils se rapprochent, où êtes-vous? À gauche! À gauche! On les a repoussés, capitaine! Qu'est-ce qu'il fait? Il les pousse tout seul, beaucoup de fois? D'accord. Oh, c'est bon, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que je me faisais. Il frappait tout seul. Donc là, je vais mettre dans le coin, bien comme ça. Il sera caché derrière la caisse. Voilà. Ça devrait le faire quand ils vont vouloir monter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça à la place. Joli. Je vais des munitions. Des munitions, s'il en faut. Et voilà, ça c'est fait. J'ai les grenades. Les grenades, malheureusement, je ne sais pas comment on les pose contre le mur. Bon, je vais pas faire une bêtise pour l'instant. On va lancer la vague. Je vais aller là-haut. Voilà. D'accord, je vais la mettre en place, ça c'est bien. Moi je vais chercher, je cherche pas. Oh, bien touché. Je devais arriver sans mort. C'était violent. Là, j'ai plus de grenades. Oh, bien touché, bien joué. Il y a quelqu'un. Mais ce serait bien s'il a... s'il peut venir. Impeccable. Oh,
On va voir si c'est terminé. Ça ne peut pas être déjà. D'accord, fini. La nouvelle vague qui arrive. Du matos et tenez-vous prêt. C'est le jeu. La reprendre. Ice au rapport. Que je la pose de manière. Ah, dès qu'ils arrivent quelque part ici. Dès qu'ils arrivent par ici. Qui est encore avec moi? Je peux t'en vite. Ouais. Oh, j'adore ces trucs. Où sont les renforts? Non, c'est pas ça, Julie. C'est ça, Julie. Quand on entend la musique, ça va être un carnage, je pense. Voilà, d'accord. Donc là, t'as mis en marche directement. C'est que c'était bien placé. Bien joué. J'ai fait exprès, je vais lancer, voilà. Impeccable. C'est bon, je vais reprendre vite fait tout ce qu'il me faut. Bien joué. À toutes les unités disponibles, dirigez-vous vers l'aile est. Plaque 4 se fait pilonner. Ils vont tous s'y passer si on ne se dépêche pas. C'est par ici. Plaque 4 avait dit qu'il perdait l'aile est. Il avait oublié de préciser qu'ils avaient déjà perdu tout le reste. D'accord. Les larves mettent le paquet pour prendre Alvo Bay. Ils ont déployé des troupes de soldats d'élite là-bas. Ils portent un genre de casque bizarre avec un seul œil. C'est un miracle qu'ils visent aussi bien avec ça. Oh, bien joué, je sais pas si m'arriver là. Ah.
raté. Oula, je suis bien prêt. Ah, moi aussi. Regardez ce qu'on a là. Fuck. Il est mort. C'est pas encore fini, Kilo. Merde, ça a surchauffé. Magnifique. Mais tu meurs quand tu veux, hein. Voilà. Et voilà, ils sont morts. L'Est se trouvait derrière cette porte. Et Black 4 aussi. Où est-ce qu'il en restait? Bon, il n'y a rien. Vous, gardez cette pièce. Il y a un truc qui craint dehors. Oui, donc ça craint, comme il le dit. Le truc derrière cette porte n'est pas venu là pour vendre des cravates. Tenez-vous prêts. Ça m'en fera plus. Je vais prendre ça après. Peut-être d'activer avant, vite. J'ai appris une chose importante aujourd'hui, colonel. Si un objet brille et a l'air important, les larves voudront le détruire. Alors on devrait peut-être exposer plus d'équipements de Nassar Embry. Et ça ferait de super appât. Bon. Je pensais qu'on pouvait récupérer la plaque, mais non. Elle va le lancer. C'est le bordel. Ça
Ah zut! Désolé si je te dis ça. Je vais être sans marche. Ok, rechargez et préparez-vous pour la suite. Hop. Je teste rapidement, j'ai 17 secondes, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Et je suis mort. Pas de chance. Là, je suis très mal posé mes tourelles. Je l'ai posé autrement. Voilà. Essayez de récupérer des armes au cas où ils reviennent. Simplement la poser quand je vais la poser. Une face peut être comme ça. Ma seconde tour, elle couvrira ma première. Si vous voulez la péter. Là, et toi tu es avec moi. Pas toi avec moi toi, pour que tu le vises. Retour au combat. On lui dit. À mort. Des tickets. J'aime pas ce sentiment. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est la fin d'Alvo Bay. Y a qu'un moyen de se faire. Une grosse bestiole qui va nous arriver dessus et tout, je le sens. L'autre, c'est de mourir. Allez, c'est par là.
peut-être plus rapide de passer par les archives, mais j'ai appris un truc important. Quand on fuit les locustes, mieux vaut éviter les sous-sols. Paluk, si jamais tu sais quelque chose sur cette larve là-haut... Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas l'approcher. Colonel, certaines larves pondent des œufs, mais pas du genre qu'on mange au petit déj. On a décidé de les détruire jusqu'au dernier. On va détruire les œufs. Celui-là. Je pensais qu'il y en avait au plafond. Hein? Vous avez entendu? Ah ouais, moi aussi j'ai entendu. Il n'en reste plus rien. Je suis la tête. Ça va pas fermer, non? Je parle d'une tambouille. Je vais rappeler dans les coins, voir si je l'ai pas oublié. Je parle d'une tambouille. On est chargeur. On est sûr qu'il reste plus d'eux? Ah, il y en a encore. Il y en a que j'ai pas dû voir. Ah, il reste plus qu'un. Alors je vous vois déjà dans les commentaires dire Seb, il était devant ton nez, tu l'as pas vu. Ce qui est fort possible, c'est tout à fait mon style. Faire des trucs devant mon nez, pas le voir. Lui, je pensais qu'il y en avait un là, ça coulait, mais non. Ils sont pas là. Là, je l'avais déjà fait dans le coin. Non, dans les coins, non. Moi, je peux m'attarder non plus si je le trouve pas, tant pis. Hein. Je suis sûr qu'il est caché dans un endroit, mais vraiment con, quoi. On l'a bien détruit, tous les œufs? Quelque chose me dit que c'est important. S'il me répète, c'est qu'il faut le faire. Je l'ai pas vu. Je l'ai fait. Première catégorie. Pourquoi il me dit que c'est important? Bon bah tant pis, on va quitter. On va pas s'embêter.
Bon, dommage, je vais encore chercher ici, je l'ai fait. Je vais essayer de traverser ça, je peux pas tirer. Non, ça c'est un mur. Je pensais qu'il y avait une ouverture, non. Bon, ça craint. Bien joué. Voilà, lui est mort. Assez encore. Normal. Tout le monde va bien? Attention, ça va péter! Les locustes sont creusés sous nos pieds! Regardez ça. Les larves nous ont creusé une sortie. Ça fait plaisir de voir. Mort. J'en ai mis partout. Ah, lui, sans ça, c'est déjà deux fois qu'il me met à terre. Approche, petit, on va faire la troisième mi-temps. Bon, ras-le-bol des trucs qui rampent et des œufs. Je préfère buter des créatures à deux pattes. Là, tout de suite. Des grenades, ça peut être utile. Voilà. Sans cela, oh non. C'est moins fun. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Marxa? Un fusil à lunettes sans lunettes? Ha! Ces larves sont de vrais génies. On va tester. Test radio. Je n'ai rien. J'entendais à nouveau des voix à la radio, même si ce n'était pas très net. Si nous arrivions à rejoindre la surface, la communication serait rétablie. Grenade ici, non. La poussière couvrait nos visages, nos yeux et nos armes. Les larves savaient qu'on était en difficulté. Elles en ont profité pour attaquer. Il n'en vaut vraiment rien. Chargez.
Je bouche le puits rapidement. Voilà, donc le puits est bouché. Je suis blessé tout seul. T'as arrêté le segment. Des punitions. Hop, c'est réglé. Impeccable. Pourquoi ils sont là-haut? Je suis content d'être sorti. Ah oui, il est encore vivant. Et maintenant? Eh bien, on appelle contrôle et on lui explique la situation. Colonel, et le missile lumière alors? Cadette, laissez donc la stratégie à vos supérieurs. Je ne veux plus vous entendre avant que le monstre de Paduk soit mort et que je... Mais il y en a un ici, à Alvo. Son inventeur enseigne à l'académie. Ouais, le professeur Elliot. J'ai bossé dans son labo à la Croix avant qu'il rejoigne l'armée. Le missile est alimenté par de l'émulsion raffinée. Plus il y a d'émulsion, plus l'explosion est forte. Ouais. Moi, je la connais bien, votre bombe. Oh non. T'étais à quelle distance du point de chute? Bien trop près. Ce truc est capable de raser la ville entière. Celui-ci a un faible rendement. Après le rayon de l'aube, Elliot n'a plus travaillé dessus. Faible à quel point? Baird, lieutenant. Pour lancer ce missile, il faudrait récupérer la balise de visée, les codes de lancement, activer manuellement le missile sur place et obtenir l'autorisation du commandement. Contrôle, ici Kilo. Bon, nous allons activer le missile lumière et l'utiliser pour tuer le général Karn. Aucune objection? C'est bon pour moi. Très bien, allez, cadette.
Tu retournes à l'académie. C'est un ordre. Cadette Hendrick, expliquez-moi donc comment on convainc une cadette de la garde Onyx de voler une des armes les plus puissantes de la CGU. J'étais contre, colonel. C'est ça. Va voir papa. Et si tu montrais un peu de respect pour moi et pour l'armée dans laquelle tu t'es engagé? J'ai essayé. Et regarde le résultat. Colonel, je suis une élève de l'académie. Je devais aller voir si mes amis allaient bien. Le réseau d'égouts reliait le musée à l'académie. Nous l'avons emprunté. Avez-vous rencontré des locustes dans les égouts, cadette? Aucun, colonel. Ils étaient tous occupés à la surface. Voilà, donc maintenant, je contrôle. Si je vais compris Sophia, en fait, j'ai pas attention à son nom. L'académie avait été détruite par Karn. Mais la balise qui se trouvait dans le laboratoire du professeur Elliot allait nous permettre de lancer le missile droit sur ce monstre. Il n'y avait plus qu'à la récupérer. On est sûr que la balise est là? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, les décors sont plutôt réussis, hein. C'est franchement sympa. Hein. Il est mort. J'ai besoin de soin. Approche petit, on va faire la troisième. Et voilà, ça. Je vais peut-être prendre ça, ça peut être sympa. Bon, je suis pas un expert. Oula, les trois scrolls. Oula. Oula, je l'ai rien vu du tout. C'est pas grave, on recommence. Je vais même pas activer ça. C'est le terrain idéal pour les armes à longue portée. Malheureusement, nous n'en avions pas. Ennemi repéré ! Tout ça avec notre tronçonneuse, on va faire un carnage. Allons-y.
Attention, sur le côté, un river. Mais tout est en dessus. Je vais lui avoir notre arme parce que je ne peux rien. Je sais pas non une autre arme parce que j'ai plus rien du tout. Ah, bien joué. C'est terminé. Ouais. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. On est déjà 45 minutes, donc il le laisse à terre, c'est bien. On va rester là pour le changement, parce que j'imagine qu'on va encore avoir une cinématique. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci, même si j'ai un petit peu galéré là. Mais bon, c'est rien de méchant. On a quand même bien avancé. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, salut, à plus.